Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Désolée, alors depuis tout ce temps-là que j'étais connectée, je parlais toute seule et je pensais que j'étais... désolée, mesdames. Désolée, mesdames. Bienvenue donc à ce live bonus. Ce jour 6, on veut parler de tout ce que la procrastination t'empêche de faire. Parce qu'on a parlé durant toute la semaine écoulée, on a couvert pas mal de points, on a parlé des croyances limitantes, on a parlé des mécanismes, on a parlé de tout ce que le fait d'ignorer les blessures te vole. On a couvert beaucoup de domaines. Hier, je t'ai partagé le processus en quatre étapes, je t'ai invité à rejoindre Éclosion. On a touché beaucoup de points. Alors, l'une des choses qui va t'empêcher de passer à l'action, c'est la procrastination. Et je n'ai absolument aucune envie que tu repartes de ce challenge en te disant que non, c'était super, j'ai appris plein de choses, ou bien, oh, l'horreur, elle est super. Et puis bon, basta quoi. Dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, rien n'aura changé. On s'entend que c'est différent d'avoir une structure, d'avoir un process, d'avoir un accompagnement, d'avoir tout le backup pour passer au travers. Maintenant, pour prendre tes décisions, pour passer à l'action, je sais qu'il y a beaucoup qui sont encore retenus par tout ce qui est mécanisme inconscient derrière la procrastination. Et c'est ce que je veux toucher aujourd'hui. Alors, un petit rappel, ce que je disais avant de me rendre compte que l'audio ne passait pas. Un petit rappel, c'est que le mercredi à 23h de Paris, donc mercredi, oui, en soirée, ou alors le jeudi matin, c'est plutôt mercredi. Les vidéos ne seront plus accessibles, que ce soit au niveau de la page de replay ou que ce soit au niveau du groupe ou que ce soit, peu importe où est-ce que vous êtes en train d'écouter ceci, les vidéos ne seront plus disponibles. C'était exceptionnellement en fait que je les ai laissées en accès public sur certaines plateformes. Donc, les vidéos seront toutes ôtées, rendues payantes. Donc, je t'invite à passer au travers de ce contenu autant que possible. La deuxième chose, c'est beaucoup. Il y a des gens qui m'ont demandé, Laura, est-ce que les inscriptions sont fermées définitivement dimanche? Non. Les inscriptions ne sont pas fermées définitivement dimanche. Par contre, les bonus expirent ce dimanche. Lorsque tu t'inscris avant dimanche 23h30, eh bien, tu accèdes au bonus. Lorsque tu t'inscris, tu fais ton paiement unique, tu as accès aux consultations individuelles. Mais quand tu le fais après, tu vas accéder au programme sans avoir accès au bonus. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Voilà. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est bienvenue, bienvenue. On veut toucher tout ce qui est croyance. Mais mets-moi le chiffre 1 dans les commentaires si tu m'écoutes. Je vais voir du côté de Facebook. Aujourd'hui, c'est samedi. Donc, pour toutes celles qui sont là, là exceptionnellement à cette heure-ci. Que papa vous bénisse. Donc, mets-moi juste le chiffre 1 pour que je sois sûre que tu m'écoutes et que je ne bavarde pas seule. On veut parler donc de tout ce qui est procrastination. Alors, c'est quoi la procrastination? Pour toi, c'est quoi la procrastination? Donc, si tu me suis en replay, s'il te plaît, prends le temps de mettre hashtag replay. Si tu es là, mets un coucou dans les commentaires. On veut juste un salut, quoi, histoire de se saluer. Voilà, comment est-ce que tu définis la procrastination? Pour toi, c'est quoi la procrastination? Je suis bien intéressée de savoir ce que tu en penses. Qu'est-ce que la procrastination à ton avis? Alors, comme il y a un décalage sur Facebook, je vais y aller. Je vais être obligée voilà quoi, d'y aller parce que je ne veux pas qu'il y ait trop de temps de pause. Alors, c'est quoi la procrastination? C'est de façon simplifiée, c'est le fait de reporter, de remettre à plus tard l'accomplissement d'une tâche, le fait de faire quelque chose, de faire un projet, d'accomplir quelque chose, malgré le fait qu'on soit conscient de son impact négatif. En fait, la procrastination, c'est le fait de reporter, de remettre à plus tard l'accomplissement d'une tâche ou d'un projet, malgré la conscience de ses conséquences négatives. Et dans le contexte de la guérison émotionnelle, la procrastination est un frein puissant. Je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi je te parle pour l'avoir vécu et pour avoir accompagné des femmes. Je sais, autant les mécanismes là vont empêcher les filles d'avancer, autant la procrastination va empêcher les filles d'avancer. Avez-vous fait les exercices? Non. Pour telle X, Y, Z raison.
Donc, ça va être un frein puissant qui va empêcher les femmes d'avancer et de se libérer vraiment de leurs blessures. Aujourd'hui, je veux m'intéresser à tout ce qui est mécanisme derrière la procrastination. Donc, la procrastination, ce n'est pas juste le fait de dire que je remets à plus tard. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est quelque chose de très complexe, en fait. Ça trouve ses racines dans beaucoup de choses. Généralement, quand quelqu'un procrastine, je veux dire, ce n'est pas qu'elle est fatiguée ou qu'elle remet à plus tard pour une raison valable. Et des fois, même la procrastination se cache derrière des raisons valables ou légitimes. Non. Ça trouve ses racines dans la peur du changement, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur du succès, la peur de ne pas réussir, la peur de... Voilà, ça trouve son origine dans la peur de souffrir, par exemple. On est au niveau de la guérison émotionnelle. Donc, les femmes vont se sentir paralysées à l'idée de s'engager dans un processus de guérison. Pourquoi? Parce qu'on a peur de souffrir. Parce que ça implique de confronter ses blessures. Parce que ça implique de pardonner et qu'on ne veut pas pardonner. Ça implique de relâcher le statut de victime et on n'est pas prêt pour ça. Ça implique de remettre en question ses schémas de pensée, son comportement, ses mécanismes. Et on n'est pas prêt pour ça. Et il y a aussi le fait qu'on pense qu'on ne peut pas changer. On pense que ce n'est pas pour nous. On pense que ce n'est pas que c'est pour les autres. Donc, la procrastination va être un moyen inconscient de se protéger, d'éviter la vulnérabilité, d'éviter la douleur, d'éviter l'échec, d'éviter tout ce qui est perçu comme danger, en fait, par rapport à la guérison. Le problème, c'est que c'est une forme d'auto-sabotage. Ça permet de rester dans un cadre confortable, hein, même s'il est douloureux, mais ça permet quand même de rester dans un cadre confortable. Et ça ne te fait absolument aucun bien. Résultat, un an plus tard, 2 ans plus tard, tu te retrouves à la même place ou même pire que ça. Parce que ce que tu aurais pu traiter, qui était symptôme, que tu aurais pu traiter, tu l'as laissé tellement traîner que tu l'as intégré dans ton identité. Donc, déconstruire quelque chose que tu as intégré dans ton identité comme étant toi, versus déconstruire un symptôme auquel tu n'étais pas encore identifié, dont tu as pris conscience, ce n'est pas la même chose. Apprendre à te reconnecter à toi-même. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose que de juste guérir d'une blessure. Là, le dégât déjà, c'est-à-dire que les dégâts sont déjà graves. Tu ne peux pas rester là, te permettre encore de tourner en rond. Et là, c'est comme si tu étais un docteur, puis tu dis à quelqu'un, quand la blessure atteint tel niveau, ça a tel pus et tout ça. Tu ne peux pas rester à la maison. Il faut que tu ailles à l'hôpital. Sinon, il y a risque, en fait, qu'on te coupe. Il y a risque tel, tu perdes la sensibilité dans la jambe. Il y a risque de ceci. Il y a risque de nécrose. Il y a risque de ceci. C'est la même chose pour l'âme. Et en vrai, tu vas te retrouver quand tu voudras maintenant travailler, à passer des années, en fait, en thérapie. Alors que tu aurais pu le faire bien plus tôt. Bien plus tôt. Je veux tirer la sonnette d'alarme et je ne veux pas, c'est pas que je veux jouer à celle qui parle négativement, mais je veux juste que tu comprennes les réalités de ce que je te dis en fait. Il y a beaucoup trop de personnes qui vivent séparées d'elles-mêmes, qui vivent en fait, qui sont dans ce corps-là et qui ne ressentent même pas leur corps. Je sais de quoi je te parle. Je l'ai vécu, qui ne ressentent pas leur corps. Elles vivent dans leur corps. Mais... Elle n'habite pas ce corps, elle s'est complètement déconnectée d'elle-même. Et je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus, mais je veux te dire que c'est important, en fait. Il faut que tu comprennes ceci. Il y a des points que je veux toucher. Je comprends que tu aies peur d'échouer. Ça réside dans la perception que tu as de l'échec. Lorsque tu comprends ce qu'est l'échec et que tu l'as accepté, tu ne vas plus avoir autant de difficultés à passer au travers. L'échec est normal. Il faut normaliser ça. Ça fait partie de la vie. La deuxième chose,
L'échec est une tentative d'apprentissage, une tentative de réussite. Tu apprends. Les seules personnes qui doivent effectivement craindre l'échec, c'est ceux qui refusent d'apprendre quelque chose de l'échec et qui laissent ça les mettre à terre. Mais lorsque tu comprends que l'échec vient pour m'apprendre quelque chose, l'échec est là parce que je ne connais pas telle ou telle information, eh bien, tu n'es plus à terre parce que tu te dis, OK, ici, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que je ne connais pas? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Quand j'expérimente l'échec dans un domaine et que j'ai fait mes propres forces, je n'y arrive pas. Je vais chercher l'aide pour ça. Je vais chercher l'accompagnement. Je n'ai pas de temps à perdre. Je ne sais pas pourquoi je ne le ferai pas. Donc, s'engager dans un processus de guérison, ce n'est pas facile. Ça demande de l'aide, ça demande de se rendre vulnérable. Ça demande de se rendre vulnérable. Mais tu as besoin de passer par là. Donc, tu ne serais pas en train de m'écouter si c'est et tu ne serais pas là jusqu'à maintenant en train de m'écouter si tu t'en, excuse-moi le terme, si tu t'en foutais pas mal de ton bien-être émotionnel. C'est que c'est important pour toi. Et je veux revenir à l'éclosion, c'est un programme qui a été conçu pour t'accompagner étape après étape. Quand tu es bloqué quelque part, on prend le temps de traiter les résistances là-bas. On prend le temps de traiter les grandes, de te débloquer. Tu as du soutien, en fait. Tu as une communauté pour ça. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu as le comment. Et tu as tout le support derrière. Et si tu te poses des questions sur la page de présentation du programme, il y a des témoignages que j'ai mis. Durant le programme, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup partagé ça. Mais il y a des témoignages, en fait. Les témoignages récents, comme si tu vas sur ma chaîne YouTube, dans les précédents, j'ai invité les filles à venir même témoigner durant. C'est pour un souci de raccourcir le temps que je ne le fais plus. Donc, c'est possible, en fait, de passer au travers avec le bon cadre, la bonne méthode et l'accompagnement adapté. Maintenant, est-ce que je peux changer? Ça fait des années, Laura, que je suis dans ça. Est-ce que je peux changer? Il faut commencer quelque part. Parce que les mêmes causes auront les mêmes effets. Tu ne sauras pas tant que tu n'auras pas essayé. Je ne peux pas te garantir que tout va changer dans ta vie, mais je peux te garantir que sur beaucoup de points, tu vas avancer. Je ne peux pas te garantir que 30 et quelques années de blessures vont disparaître d'un coup. Mais je peux te garantir qu'on va traiter là-dessus, qu'on va les traiter. Tu auras les outils, tu auras la méthode. Non seulement durant le programme, mais après le programme. Tu sauras comment faire avant, pendant et après. Donc, est-ce que je peux changer? Oui, tu peux changer. Le Seigneur est capable de le faire. Est-ce que ça peut changer? Oui, ça va changer. Crois au processus, crois à la méthode, mais surtout crois au Saint-Esprit. C'est vrai que quand on a essayé pendant des années de changer, d'arranger les choses, on a tout fait toute seule, puis on n'est pas y arrivé, on a tendance à se dire que c'est impossible pour nous. Mais regarde, là où tu pouvais peut-être tirer dans le vide avant, imagine que tu tires avec précision, avec le bon outil. On te montre comment cibler. Toucher la bonne cible, en fait. Tu sais comment faire. Tu as le bon outil pour le faire. Et tu as vraiment tu as comme un backup derrière quelqu'un pour te dire non, ajuste plutôt comme ça. Oui, tire plutôt comme ça. Avec tel truc, tu vas atteindre ta cible. Et même si tu ne l'atteins pas d'un coup, sachant que tu as ce qu'il faut et qu'il y a quelqu'un derrière pour te pousser, tu vas atteindre cette cible-là. Donc, c'est important que tu puisses prendre conscience que bah, tu as les ressources, en fait. Tu auras accès à des ressources. Tu vas apprendre à valoriser tes progrès, même si tu penses qu'ils sont minimes. Tu vas apprendre à accepter ce que tu appelles tes faiblesses. Tu vas apprendre à les accepter. Accepter ta personnalité. Le fait d'être vulnérable aussi, c'est quelque chose qui vraiment freine. Alors, je reconnais que s'ouvrir, travailler sur ses blessures peut sembler effrayant.
On a peur de se montrer aux autres, on a peur de parler aux soins, mais je t'assure que le programme, le cadre de ce programme est sécurisant et c'est bienveillant. C'est le Saint-Esprit qui réunit une poignée de femmes. Donc, je t'assure qu'il sélectionne bien les femmes qui viennent. Et on prend vraiment le temps de poser ce cadre-là. La bienveillance, c'est vraiment une des valeurs de ce programme. Le respect, la compréhension, la bienveillance est extrêmement important. C'est une de mes valeurs clés. Donc, oui, ça peut sembler effrayant, mais je t'assure que ce n'est pas si effrayant que ça. Il suffit juste d'ouvrir la bouche, de placer le premier mot. Et tu vas voir. Et si tu ne peux pas ouvrir la bouche, tu peux écrire. Les workbooks qui sont conçus t'aident en fait à faire l'introspection, à écrire. Et lorsqu'on est en session, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour toi en fait. Et des fois, on touche juste le point. Le Saint-Esprit, comme il met juste le doigt sur ce qui est le vrai problème. Donc, tu avances à ton rythme, en fait. Je ne pourrai jamais te forcer. Mon rôle, ce n'est pas de te forcer. Mon rôle, c'est de t'accompagner. Donc, il y a énormément de peur derrière. Énormément de peur derrière la procrastination. Alors que la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Derrière, c'est aussi la peur de est-ce que je serai capable de faire? Mais c'est quand tu t'appuies sur tes propres forces que tu es dans le raisonnement de est-ce que je serai capable de. Quand tu t'appuies sur Philippiens 4,13 qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie, en ce moment-là, tu te rends compte que ce n'est pas toi la source de ta force, c'est Dieu. Therefore, eh bien, tu peux ne pas être fort et c'est correct parce que lui, il est au contrôle. Dans Proverbe 3, il est écrit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ne t'appuie pas sur tes propres forces. Ne t'appuie pas sur toi-même. Reconnais-le dans toutes tes voies et il va aplanir tes sentiers. Donc, sur quoi est-ce que tu bases ta peur? C'est une excellente introspection à faire. Pourquoi est-ce que j'ai autant peur? Pourquoi est-ce que j'hésite autant? Alors que je sais que c'est la bonne chose pour moi. Pourquoi? Pourquoi? Plus. Où est ma confiance? Sur quoi est-ce que je la mets en fait? Sur quoi est-ce que je la mets? C'est important de se poser ces questions pour mieux avancer en fait. Dans quelques clés pour sortir de la procrastination, identifie tes peurs, comme on vient de le faire. Identifie les croyances limitantes. Prends le temps de réfléchir aux raisons profondes qui te poussent à procrastiner. Et confronte-les. Traite-les. Utilise la parole de Dieu pour ça. Une fois que c'est fait, ancre-toi dans les promesses de Dieu. Donc, médite les versets bibliques qui te rappellent que Dieu est avec toi, qui te fortifie. Les versets que je viens de citer là. Proverbe 3, 5 à 6, Philippiens 4, 13, par exemple, médite-les. Maintenant, décide de faire un choix concret et de t'y tenir. Décide de faire un choix concret et de t'y tenir. Décide de la marche à suivre. Fixe des objectifs réalistes, fixe des objectifs clairs et passe à l'action. Et entoure-toi d'une communauté. Il faut vraiment que tu aies des gens qui soient, constituent ton système de support personnel. C'est très important. Constitue ton système de support personnel. Tu as besoin des gens pour te comprendre, pour te soutenir. Ne sois pas seul. Un peut en abattre 100, hein, mais deux, 10 000. Donc, c'est important, en fait, d'avoir une communauté, d'avoir un backup.
N'hésite pas à te féliciter, à rendre grâce à Dieu pour chaque progrès, même minime. Alors, il y a des questions que j'ai reçues. On m'a dit, Laurent, 5 mois peut sembler long. 5 mois, c'est long. J'ai des obligations et tout. Est-ce que je pourrais suivre Éclosion? Ma question, c'est, est-ce que 5 mois de toute ta vie pour guérir de tes blessures est trop long ou trop court? Est-ce que tu penses que c'est trop long pour guérir de tes blessures? Je comprends que ça peut être demandant, challengeant, mais il faut savoir que Éclosion est conçue de telle sorte que tu as accès au replay des sessions, par exemple, au contenu préenregistré. Il y a une chose sur laquelle je suis extrêmement demandante, c'est le fait que tu t'engages, en fait. Ton engagement est très important pour moi. Quand je sais que tu es engagé, même si tu ne peux pas être là, pas parce que tu ne le veux pas, pas parce que tu ne le sens pas, mais vraiment parce que tu ne peux pas être là. Je sais que quand tu es engagé, tu vas suivre les replays, tu vas poser tes questions, en fait. Donc, 5 mois peut sembler long, mais je t'assure que ce n'est pas long. Je t'assure que se réorganiser ton emploi du temps ou libérer des choses pour 5 mois, sachant la haute portée que ça va apporter, la haute valeur ajoutée que ça va apporter à ta vie, l'impact que ça va avoir sur ta santé émotionnelle, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Alors, est-ce que c'est efficace la méthode que tu proposes? Je t'invite à aller réécouter les résultats des participants précédents. Il y a sur ma page, tout ce qui est challenge et tout ça, va suivre et je t'assure qu'il y a plein de témoignages. Je pense qu'il faut que je commence par couper et mettre les extraits. Et même sur la page de présentation du programme, tu as des témoignages. Donc, comprends que c'est vraiment des méthodes qui ont fait leur preuve scientifique d'ailleurs, mais vraiment passées au filtre au travers des principes bibliques pour nous assurer qu'il n'y a rien de new age, rien de contraire à la foi chrétienne en fait. Ça a fait ses preuves. Ce sont des méthodes qui marchent, qu'on respecte et qu'on comprend que c'est un processus. Ça marche en fait. Alors, l'investissement financier, alors je peux comprendre que le coût du programme puisse sembler élevé, vraiment. Mais ce que je veux te demander de faire, c'est faire une balance. Est-ce que véritablement ta guérison émotionnelle a un prix? Est-ce que tu peux acheter au marché, par exemple, au supermarché, en grande surface ou en petite surface, la guérison émotionnelle? Non, ça ne s'achète pas. Maintenant, vois le coût potentiel de continuer comme tu continues, le fait que ça te détruit, des choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, on n'a pas vraiment abordé en profondeur, les conséquences, l'impact négatif de ces blessures sur toi. Sinon, tu aurais vu, en fait. Imagine ce coût-là. Tout ce que ça te vaut en termes de relations, en termes de manque d'épanouissement, en termes de ta relation avec Dieu, en termes de ta relation avec toi-même. Et dis-moi, en fait, est-ce que cet argent-là vaut ton bien-être? Non. Donc, tu as la possibilité de paiement échelonné pour faciliter ton accès au programme. Si tu as des questions dans ce sens-là, n'hésite pas à me contacter à contact@lorogoto.com ou à juste m'écrire, en fait, sur WhatsApp et tout. Et je vais mettre en description de vidéo tous les liens pour pouvoir me contacter directement. Donc, je ne sais pas si j'ai d'autres questions, en fait. Je ne sais pas si j'ai d'autres questions. Est-ce que j'ai d'autres questions sur le sujet? Donc, on débute le programme le 18 novembre, mais dès que tu fais ton inscription, eh bien, tu peux déjà accéder au bonus, en fait. Tu peux commencer par accéder au bonus. Donc, donne-moi s'il te plaît.
Donc, dès que tu t'inscris, désolé, dès que tu t'inscris, tu peux déjà accéder au bonus. Tu as accès à tout et tu peux commencer par les suivre. Alors, une semaine avant, dès qu'au début, on prend une semaine de préparation. Tu vas passer au travers du contenu de préparation à bien avant. On va prendre un temps pour prier, pour préparer le programme dans la prière. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir d'autres questions. Je ne suis pas sûre. Sauf erreur de ma part, bien évidemment. Donc, je pense qu'on a fait le tour et qu'on a tout couvert. Je tenais vraiment à te remercier. Merci vraiment pour ta présence. Merci pour ce temps passé ensemble. Je prends le temps de publier d'autres petites vidéos, de faire des rappels et autres dans le groupe. On va fermer le groupe le vendredi. Voilà, le vendredi, on va fermer le groupe. Donc, puisque c'est un groupe temporaire, on va le fermer jusqu'à preuve du contraire, on ne le rouvrira plus, sauf si il y a un challenge ou quelque chose de particulier en fait qu'il y a à faire. Je te le ferai savoir. Je rouvrirai le groupe alors. Donc, je te dis donc à bientôt. Sois abondamment béni. Merci d'avoir pris le temps d'être là. On se dit à bientôt. Bye bye.